Allez, salut à tous, c'est Mafia1030 et bienvenue. Bienvenue pour ce nouvel épisode, ce troisième épisode de ce Let's Play sur Jak 3, le dernier de la trilogie. Et aujourd'hui, on va sûrement aller voir Damus. On va aller voir de toute façon, c'est sûrement indiqué dans mes missions. Ah bon, rien à voir, pas la Cleaver. Ah oh ouais, bah rien à voir. Pourtant, on aurait dit. Mais d'abord, on va d'abord explorer pour voir un peu la ville encore et. Pas pour avoir des nouvelles sortes, pour acheter des nouveaux trucs, putain. Enfin, on n'a pas encore acheté, mais faudrait bien au bout d'un moment acheter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de truc vraiment très intéressant, on va dire. On est déjà 27. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de truc débloqué de si bien que ça pour le moment. Plus tard que j'espère qu'il y en aura. Qu'il y en aura au moins un minimum plus. Bon, allons parler à Cleaver pour voir ce qu'il a à nous dire. Il nous aime pas tellement, Cleaver. Hein. Ça se voit. Hein. Il est pas trop fan de nous. Hein. Je pense pas qu'il est trop fan de nous, il nous aime pas... Pas des masses. Non. Il y a Damus et il y a lui qui nous aime pas des masses. Ah, on va voir ce qu'il a... C'était pas là? C'était pas exactement là? C'était vraiment dans... Ah ouais, c'était vraiment là-bas. Oh, je me suis complètement... loupé, c'est ça. Ah oui, ce point, d'accord, c'est le désert à peu près, on peut dire. Vraiment à peu près. Vraiment à peu près, vraiment à peu près. Bon bah... Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bon, je vais devoir te laisser ici, les Adorus. Salut Cleaver! Comment tu vas, la forme? Prêt pour un peu d'action, les petits gars? Il y a un groupe de Metalheads qui traverse le désert pas très loin d'ici. Je déteste les Metalheads, presque autant que je vous déteste vous. Et vous devez faire vos preuves. Interceptez ces crétins et montrez-leur. Qui sait? Vous serez peut-être récompensé pour vos efforts. Pourquoi j'ai l'impression que t'as zappé tous les détails dangereux? Jak, crois-moi, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un super instinct animal, tu sais. Relax, c'est juste quelques Metalheads. Tu as déjà vu un Metalhead déterpelé? Non, pourquoi? Pour rien, je demandais juste. À vous de jouer les héros. Pourquoi ça pue la merde? Et pourquoi j'ai deviné qu'il nous aimait pas? Je vous déteste autant... Enfin, il déteste les métallistes autant qu'il nous déteste nous. Hein, ça veut dire que... qu'il nous aime pas beaucoup. Hein. Bon, ça va, il y a que 4 métallistes à s'occuper, c'est pas... C'est pas drama... Ah ouais! Ah oui, quand même. Ah, quand même. Vous êtes gros. Vous êtes gros! Ah oui, vous êtes quand même pas mal. Ouais, vous êtes quand même vraiment pas mal. Dégage, 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 dégage. Crève, 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 crève. Vas-tu crever? Vas-tu crever? Crève! Il est bon. Aide-moi! Non, en fait, c'est facile, en fait. C'est facile à tuer ces bestioles. Il y en a un qui va arriver juste devant nous. Nickel! En fait, ça va être assez facile. Ouais, ça a l'air assez facile à faire. Tant mieux, vous me direz. Tant mieux, parce que si ça aurait été difficile, on aurait déjà pleuré que c'est pourtant les premières missions du jeu. Ça aurait craint un petit peu. En même temps, celui-là va être beaucoup plus court. Ça, je vous précise. Malheureusement, ce Jak 3 est beaucoup plus court que le 2, par exemple, qui est pour moi le plus long et un peu plus dur. Il y a le 1 qui est dur et pas si long que ça. Vous avez le 2 qui est long et dur. Vous avez celui-là qui est pas trop long, mais il est bien en fait. L'histoire est bien, le gameplay est bien, mais il n'y a pas la difficulté comme dans les précédents en fait. Comme dans le 2, quoi. Vraiment, le 2, il y a vraiment. Même si celui-là, question histoire, etc., gameplay, je préfère quand même. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Déjà ça, le fait d'être en véhicule et tout ça, de devoir se battre dans le désert, c'est déjà un truc qui m'a beaucoup plu quand j'y ai joué à ce Jak 3. Parce que ça change des précédents. Comme vous avez pu voir à chaque fois, le 1 c'était un gameplay, le 2 c'était un gameplay, le 3 c'est encore un nouveau gameplay. Que certains jeux qui font une trilogie ou même qui sont que deux épisodes. On peut voir des fois que... Si je tue... Ah bah il est mort. Il reste plus que le dernier. Qu'on peut voir que le gameplay reste le même. L'histoire change et tout ça, mais le gameplay reste le même. Là non, ça vraiment... Ça change à chaque fois que vous allez pouvoir le découvrir. Là ça se remarque peut-être pas. Il y a juste quelques détails en plus. Par exemple avec les véhicules et tout ça. Mais il va y avoir de plus en plus. Voilà, on s'en est occupé. C'est ça qui est... Oh shit, il se relève! Il se relève! Il se relève, l'enfoiré! Mais vas-tu crever? T'étais tombé par terre! Crève! Puis c'est tout! Puis quoi l'autre? Il croyait quoi?
se passe? Si vous avez perdu ce chargement et que vous n'êtes pas mort, c'est moi qui vais vous tuer. Rapportez-moi tous les cristaux des connoirs que vous trouverez. Le temps presse. Vous m'entendez? Une minute. Pas toi. Je déteste vraiment cette voix. Ah, tu viens bien ramasser le clapet, hein? Oh oui, c'est bon. Je connaissais ce visage. Là, tu deviens parano, petit gars. Allez, cocotte, on se casse. Désert me colle la chair de poule. Ouais, Jack, y a pas que toi que ce visage dit quelque chose. Moi, c'est sans doute pas très important, tu me diras, Jack. C'est juste une coïncidence. Juste une coïncidence. Et maintenant, avec ça, je peux faire autre chose, les gars. C'est pas que maintenant vous êtes ridicule face à moi, mais vous êtes un peu plus ridicule. Ah bah, autant faire ça en même temps. Parce que j'en ai assez. Combien, je veux juste savoir, mais... Ouais, bon. Faudra que j'en récolte. C'est pas avec deux qu'on ira très loin. Oh non. C'est pas avec deux qu'on ira très loin. Faudra que j'en récolte un peu partout. De ces gemmes crâniennes, parce que là... Sinon, on pourra pas avancer dans les ordres précurseurs, on pourra pas en avoir tellement. Malheureusement, ce serait triste. J'en veux plus. Toujours plus. On aime en avoir plus. On pourra pouvoir avoir des améliorations, des upgrades, tout ça quoi. Tout est bien. Ouvrez la porte. Merci bien. Ouais bof. Oui, je range jamais les véhicules. Jamais. Est-ce que là il faut aller voir Damus? Est-ce que là il faut aller voir? On va voir. Mission. Oui, parle à Damus. Bizarrement, oui, ça s'écrit Damas, mais c'est Damus. Ne me demandez pas la logique. Tiens, j'étais un peu déconnoir. J'aurais pas voulu forcément ça, mais... S'il nous donne ça, il nous donne ça. Hein. C'est pas moi qui décide. C'est lui. Il y a vraiment des trucs à récolter, mais je peux pas... Enfin, des missions pour avoir des ordres, mais... Malheureusement, je peux pas, j'ai pas assez de gemmes crâniennes. Faudrait que j'en trouve. Faut vraiment que j'en trouve des gemmes crâniennes, parce que là... Sinon, ça va vraiment pas le faire. Dépôt. Dépôt qui reste des gemmes crâniennes, forcément. Comme si je... Ouais, j'allais dire ici, j'en doute qu'il y en aurait. Ici. Ouais, non, j'ai récolté déjà beaucoup. Bon, maintenant, on peut faire demi-tour pour aller voir Damus. Ouais, on va avoir du mal. Je le sens pour en avoir des gemmes crâniennes. Je sais pas pourquoi. Ça pue. Je vais avoir du mal. Bonjour, ma petite dame. Je passe au-dessus de votre tête. Touk. On va voir le fameux chalet, le fameux palais de Damus, comme si on l'a vu au tout début du jeu dans la première cinématique. Enfin, la première cinématique quand on débute le jeu, pas du jeu, parce que c'est où ce qu'on arrive à interpeller. Enfin, on avait compris. Ah bah ça va, c'est pas si moche que ça ici quand même. Y'a quoi de ces pots? Un peu de vie. Ah, une petite. Ça fait plaisir. Ah, peut-être des gemmes. Des gemmes crâniennes. De l'écho noir simplement. Deux munitions. Je suis déjà à fond, on y va. Ah, cinématique d'abord. Une fois encore, tu dois tester tes aptitudes au combat dans l'arène. Affronte tes peurs, écrase tes adversaires, et on verra si tes compétences peuvent nous être utiles. La loi de l'arène sera notre seul guide. Excusez-moi, monsieur le roi du désert. Oui. J'ai une requête à formuler. On s'est entraîné très dur. J'ai les pieds en feu et je crois bien que j'ai un panari. Alors je vais faire l'impasse sur ce coup-là. Assez parlé, la reine vous attend. Et une nouvelle arme. Une. Oups. C'était ma foi fort bugué, vous avez vu. On avait le pacificateur à un moment. Enfin, on avait le skin du pacificateur. Et maintenant, on a une nouvelle arme. Que je vous montrerai en arène parce qu'on va pas gaspiller des balles. Surtout qu'on va dire que ça en utilise beaucoup avec ça. Vous allez pouvoir le découvrir quand on sera à l'arène. Il faut vraiment qu'on le fasse, hein, mais je le ferai pas. Non. Toujours des munitions. À part s'il me donne des munitions. Et hop, une nouvelle. Ah, je voudrais bien arriver à 30 avant de partir. Ce serait ma foi pas mal. Non, je le ferai pas, je viens de te dire. Ah, 30. Ça fait plaisir. Tu peux passer au-dessus? Bien sûr que si, voilà. Toujours moins, il passe au-dessus. De l'autre côté, il n'y a rien. Non. Non, il y a l'air d'avoir rien. Par contre, de l'autre côté, oui, il y a des pots. Donc, allons les voir. Donc, je ne descends pas tout de suite. Je vais d'abord aller chercher tout ce qu'il y a dans les pots. Et puis, seulement, je m'en vais. J'explore tout, comme d'habitude. On explore tout et après, c'est bon.
Il y a que la merde ici pour l'instant. Donnez-moi des trucs utiles. Des trucs utiles que je suis pas à fond déjà. Ce serait pas mal. Il veut pas. Ah, des derniers. La dernière chance, la dernière chance. Mouais. Mouais, on va dire. Allez, on descend. Ah, je suis obligé, c'est ça. En gros, c'est ça. Vous le verrez plus en précision durant l'arène. Mais quand même, ce bug, on aurait vraiment dit qu'on avait le pacificateur comme arme. Mais non, on l'a pas. On n'a pas de pacificateur. Regardez, je vous montre tous les armes qu'on a. On a ça, ça et ça. On va aller voir le skin, comment il change entre des. Normal. Ah ouais, ça fait quand même un plus gros calibre. Hein. Ça fait 3 fois plus, quoi. Ça fait vraiment 3 fois plus, en fait. Ah, j'aurais dû prendre un truc pour me déplacer plus vite. Lézard ! Lézard de russe ! Lézard de russe, ici. Merci bien. On va aller un poil plus vite, quand même, grâce à ça. Non, il n'y a pas envie. Là-bas, peut-être, on va espérer là-bas. On espère, on espère, on espère, on espère. Ah, rien du tout. Vraiment rien nous donner. Et je peux pas prendre les totems à cause de ça. Ah voilà. J'ai eu quelques munitions. Donc on peut y aller. Bonjour mes fans. Comment ça va les fans? Regardez, ils sont tous là, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont cartonnés, ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont beaux. Salut, tranquille. Wesh ta famille. Bien, bien. Ouais, je dois aller là-bas, je suis obligé. J'ai pas besoin de munitions pour l'instant. Bien, bien, comment ça va? Je suis obligé. Ok, je suis obligé. Ok. On vient. Boum. Et voilà. Pour faire la Dark Blood. Et maintenant, là, je peux vous montrer la vraie attaque. Hop là. Merde. Ouh. J'ai perdu blindé de vie, là, malheureusement. Intérêt à faire gaffe. C'est vraiment intérêt à faire gaffe. Et allez, où tient le coup? Tiens le coup, tiens le coup. Voilà. Pour l'instant, on est bon. Bien, je vais pas faire assez loin. Allez, plus que 7. On va y arriver bidon, en fait. C'est bidon, en fait. Je m'ennuie. Je m'ennuyais, je l'ai dit. Ah, c'est comme de voler une sucette à un bébé. Aussi facile que ça. Aussi facile. Voilà. J'espère que le spectacle a plu, Damus, là. Est-ce que ça lui a plu? Il est même pas sur son trône. Il est où, Damus? Il a pas reçu son trône. Je crois que vous êtes encore là. Ouais, quelle surprise. Damus et moi sommes très impressionnés. Hé, hey, le singe à plumes, qui t'a déclaré roi? C'est lui. Enfin, presque. Une sorte de demi-roi. Tu vois, vous devriez voir nos chambres et ce harem de super poules. Oh, mes nuits sont très agitées en ce moment. C'est cool d'être roi, non? Y'a rien de royal dans ta grosse tête à plumes. Tu veux du royal? Tu te crois où? Ne m'oblige pas à descendre de mon perchoir. J'ai un perchoir pour toi, le pigeon. Viens ici. Ça suffit, c'est le faire. Amène-toi, servette d'oiseau. Assez. Si je voulais vous voir combattre, je vous l'aurais demandé. T'as été incroyable, Jack. Je suis très fier de notre excellent programme d'entraînement. Voici ta deuxième amulette de combattant et un nouveau gun mode. Encore une victoire dans l'arène et tu seras un vrai renégat. Ça me plaît. On a encore une nouvelle arme. Là, je peux... Voilà ce que je veux dire. Dès le début du jeu, on les enchaîne, les nouvelles armes. En même temps, c'est toutes les armes qu'on avait avant et que... on avait perdu. Ah, tu es toujours là, mon ami. Hé, laissez-moi aller, c'est mon ami. Je l'aime bien, mon lézard. Ça va, le people? Tranquille, tranquille, la famille. Oh, wow. On a fait une de ces chutes, ici. Vraiment une de ces chutes. Ouais, je veux rien lui donner. On n'aura rien. Rien du tout. Allez, là, là, là. Fais-moi espérer, fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Il veut pas me faire rêver. Il veut me faire souffrir. Et quand on voit... Oui, oh, quand on voit tous les arbres là, oui, je sais, ça fait... Ça fait haïr, mais on peut pas les avoir maintenant, je vous l'ai dit. Si on serait, je le serais. Mais on peut pas les avoir maintenant, malheureusement. Moi aussi, ça me fait mal au cœur. Il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien dans ces trucs. J'espère retrouver ailleurs. Espérons-le. Cleaver. Ah,
Cleaver et ce cher petit Damus. On esquive. Adieu, Cleaver! Damus a du boulot pour nous, mais je fais pas la nounou. Alors hors de mon chemin! Jack a pas peur de toi! Jack! Si vous saviez ce qui se passe là-dehors, vous auriez peur, ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, votre grandeur. Je donne juste à Jack et à cette bestiole quelques petits conseils. J'ai entendu dire que tu n'étais pas très prudent. Ton père ne t'a pas appris à choisir tes combats judicieusement. J'ai pas connu mon père. Ce que je veux dire, c'est que tu peux attaquer ton ennemi de front. Ou alors, tu peux attendre de connaître son point faible. La patience est la meilleure arme du guerrier, tu comprends? Jack, je veux que toi et Cleaver alliez dans le désert et regroupiez des lézardosaures dans un véhicule. Nous devons parer à toute éventualité, et aucune ressource n'est négligeable. Pas de problème, j'adore les animaux. On se retrouve là-bas, collègue. Ah, on est collègue maintenant, Cleaver? Je savais pas que... Maintenant tu me détestes plus, t'es devenu mon ami. Voilà, c'était peut-être ironique. Le fait de parler du père de Jack. Même sa mère, vous me direz, on est pas... On sait pas c'est qui son père et on sait pas c'est qui sa mère. On sait rien du tout. Dégage, dégage, et dégage. Merci pour les trois petites bouboules. Allez, ciao. Ah, dégage, j'ai dit. Rendez-moi une bouboule. Allez, salut. Un petit boost. Ça fait plaisir quand même ces fameux boosts. Hein. On va vraiment beaucoup plus vite grâce à ça. Fiu. Pouk. Je voudrais bien faire sur assaut. Donne-moi une bouboule, donne-moi une bouboule. Ah ben, les appeler bouboules, je sais, c'est des boosts. Boost. Voilà. Ça fait plaisir ça. Et on te... encore une fois, boost. Voilà. Ça fait du bien. On est déjà arrivé. Oh, ça a été vite. Mais on est arrivé, oui. Ah oui, ce truc, c'est tellement désagréable ça. Bon, mais ça sert à rien que je le casse pour l'instant, je le sais. Accroche-toi à un lézardosaure. Oui, ça, j'aime bien, c'est que c'est pas vraiment expliqué. C'est que c'est pas expliqué, c'est qu'on va... Il va y avoir tous des lézardosaures ici. Et le but, en fait, c'est quand on va s'approcher de près, il faut s'arrêter pour que Daxter, il va en plein dessus. Enfin, qu'il saute vers eux, quoi. Malheureusement, quand... Faut bien rentrer dans la porte, sinon, ben... C'est la merde, comme vous pouvez le voir. Bon, on va les choper. On va les choper, on va faire tout le tour. C'est pour ça que c'est ces trucs désagréables, parce que si Daxter se les prend, ben c'est foutu. Allez, voilà. Viens voir papa ici. Allez, viens voir papa. Non, non, non. Voilà, tranquille. Tranquille. Tranquille, on y va. Et de 1, et de 1, et de 1. Oh yeah. Ça, c'est bon. Et voilà, il est chaud, Daxter, là. Allez, au galop, au galop, au galop. Et hop là. Et Jack avec cette classe, avec son bandeau. Tellement classe. Allez, suivant. Suivant. Voilà, on est reparti, on est reparti. Oula, comment on esquive ça. On va faire tout le tour, on va faire tout le tour. On va pas prendre des risques. J'ai dit que j'allais pas prendre de risques. C'est bon, deuxième, tranquille. Et deux, deux. Ça, c'est bon. Comme tu dis, les doigts dans le nez, mon gars. Yep là. Maintenant, en plus maintenant on met les lunettes. Parce qu'il fait quand même beaucoup de soleil, donc on voit rien sinon. Je sais pas si qu'il rajoute à chaque fois un truc pour se donner un style de Jack là. Mais on va se mettre un peu de difficulté là, parce qu'ils sont quand même... C'était assez facile quand même. Donc on va se donner un petit peu de difficulté. Voilà. On part de loin. On part de loin, on part de loin. Esquive. Allez, on y va. C'était tranquille quand même. Hein. Enfin, on n'est pas encore arrivé jusque là, donc voilà, bah si, au fait, on est arrivé facilement. Maîtrisé par la beloute. C'était simple. Ouais. Tellement simple. Je dois l'admettre, t'as du talent, gamin. Prends un autre de mes bolides, tu le mérites. Un peu, ouais. Et moi, je peux me brosser, c'est ça? Ok, j'ai bien compris. Et on va dire que... Non, il t'aime pas... des masses. On a un nouveau véhicule qui nous permet de... Fiou! Sauter à des hauteurs comme des malades. Et un nouveau point s'est ajouté. Je me demande vraiment de c'est quoi.
Je me demande vraiment c'est quoi. Non, je sais exactement c'est quoi. Mais ça, on ira durant un prochain épisode. De toute façon, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. Je pense que pour Jack 3, je pense que je vais aller... faire des épisodes de 20 minutes. Vraiment, 25 minutes vraiment maximum. Parce que le jeu va être court. Et je voudrais laisser le temps de savourer ce jeu quand même. Parce que sinon, on va arriver vite vers la fin. Oui, comme je vous dis, je le sens. Attendez, on va prendre l'exemple. On va aller se garder. On va se garder ici. On va voir à combien qu'on est de pourcent. On va voir à combien de pourcent qu'on est. On est à... On va voir. Regarde, on est déjà à 18% du jeu en même pas 3 épisodes, en même pas une heure. Je pense que voilà quoi, on va... Boum. C'était beau ça. Non, on va super vite. On va vraiment super vite, donc... on va prendre notre temps pour avancer à ce jeu, c'est... Ce jeu, il doit être bien, il doit être pris en détente. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on ira de nouveau retourner voir Damus. Voir ce qu'il aura à nous dire. Et sur ce, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter pour dire votre avis. Et à laisser un petit j'aime pour faire connaître ce let's play. Et sur ce, je pourrais vous dire à la prochaine. Et surtout, partez-vous bien. Oh yeah!